un petit peu important à lire. N'hésitez pas à me prévenir les gars dans les commentaires. Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo super spéciale parce qu'aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va simplement faire une vidéo où on va tenter plusieurs totems et essayer du coup d'invoquer le personnage de Hello Neighbor. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est super important. Go me suivre sur Instagram et sur Twitter, donc c'est fullboss-du-bas. Et les amis, go mettre tous mon code créateur sur Fortnite, c'est fullboss. Voilà, FU2L, BO2S, mettez tous mon code créateur. Alors pourquoi je vous demande de mettre le code créateur? Parce que tu vois, de 1, ça me fait super plaisir. Et de 2, parce qu'il y aura des concours. Quand on sera aux 10 000 soutiens, il y aura des concours. Et donc, bah, si vous voulez qu'il y ait des concours super rapidement, il suffit de mettre le code créateur. Et comme ça, grâce au code créateur, je pourrais vous faire des énormes concours. Donc voilà, ça sera tout bénéf pour vous. Du coup, là, il suffit de mettre mon code créateur. Vous achetez des petits skins dans la boutique, surtout qu'il y a des skins vraiment cool. Du coup, bah, je compte sur vous, hein, les gars, ça me ferait super plaisir. Et du coup, voilà, le code créateur Fortnite Fullboss. Et du coup, n'oubliez pas de commenter, de partager la vidéo et de me proposer d'autres thèmes à faire. Parce qu'aujourd'hui, les amis, on va tenter 3 totems. Alors, il y a des abonnés qui m'ont proposé des totems tout simplement pour invoquer le personnage de Hello Neighbor. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les totems tout simplement au niveau de la cabane, donc juste là-bas. Donc, je vais vous montrer où c'est. Vous savez tout simplement que ça, c'est la cabane de Gumball et Darwin. Je pense que vous devez connaître les vidéos. Donc, voilà, cette petite cabane bleue et orange. Et on va faire 3 totems juste ici. Parce qu'à cet endroit-là, les amis, ceux qui ont regardé les vidéos, il s'est passé pas mal de trucs bizarres. Donc, je pense que ça risque de marcher. Alors, tout simplement ici, il y a une prison. Du coup, ce qu'on va faire, c'est directement, c'est qu'on va casser la. On va casser la prison, voilà, on va casser la prison. Et puis voilà, du coup, on va péter cette balançoire qui ne sert strictement à rien. On passe mytho, c'est une balançoire qui sert à rien. Du coup, on pète vite fait la petite balançoire parce qu'elle ne sert pas à grand chose. Des wood banisters, ok, d'accord, pourquoi pas. Tac, voilà. Ok, du coup, on est parti, on va faire 3 totems. On va faire un totem un peu genre plat, un totem genre plat bizarre, un totem un peu cubique et un totem un peu en mode hauteur. Du coup, voilà, il y aura 3 totems et n'hésitez pas à me dire, les gars, pour vous, quel totem va marcher. Et puis voilà, du coup c'est parti. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres totems et d'autres personnages à invoquer les amis à 3h du matin. En tout cas là ça fait un petit peu flipper parce que vous savez qu'à 3h du matin il se passe souvent des trucs bizarres. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on prend directement que les couleurs du personnage. Donc Hello Neighbor il est en bleu, il me semble en rouge, en jaune, en noir et en blanc. Moi c'est un peu comme ça que je le vois, c'est un peu ces 5 voire même peut-être 4 couleurs seulement. Donc je pense que ces couleurs là ça sera pas mal. Et ce qu'on va faire directement, c'est qu'il faut de la redstone pour pouvoir alimenter le totem. Sinon, le totem, il va pas marcher. Du coup, on va prendre un peu de redstone. On va prendre aussi, les gars, une tête. Donc, des têtes de mort-vivant. Il n'aura pas besoin tout le temps, mais voilà. Du coup, pour le premier totem, c'est un genre de totem en mode portail de l'Ender. Donc, voilà, c'est un petit totem que je pense vous allez reconnaître. C'est un genre de totem à la portail de l'End. Du coup, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va préparer un peu son pull. Un côté un peu pull, comme le neighbor est là. Il a un genre de pull bleu. Et je crois qu'il a un genre de pantalon jaune. Alors ce totem là les gars, je sais pas du tout s'il va marcher. En tout cas c'est un abonné, je sais plus le pseudo, qui m'a dit de faire des totems et il m'a proposé un peu ce totem avec un mix des couleurs. Du coup j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal et je me suis dit bah pourquoi pas tout simplement refaire le totem. Donc du coup regardez comment on fait. Voilà, ça c'est le premier totem les amis. Donc on va tout simplement l'allumer pour voir s'il se passe un truc. Donc on, non, celui-là il faut pas de tête. Celui-là il faut pas de tête, il suffit simplement d'allumer comme ceci. Et voilà, le premier totem a été réalisé. Donc on va voir s'il se passe un truc, s'il y a une torche qui pète, si... Oula! Ah, il a été enclenché! Ouais les amis, ça a marché. Ça veut dire qu'à mon avis, le totem, il a bien été enclenché. Donc, par contre, s'il se passe pas grand-chose, c'est vraiment très bizarre. Je sais pas les amis, si pour... dites-moi les gars dans les commentaires si vous voyez des choses qui se passent simplement à l'écran, parce que moi, je peux pas tout voir, parce que quand je fais ma vidéo, je suis assez focus. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu les totems, un peu comme je l'ai fait, un peu comme d'hab, genre en mode... comment ça s'appelle? Avec les torches sur le côté, je vais vous expliquer comment c'est. Là, en gros, c'est un petit totem un peu différent. Alors, déjà, il faut commencer par... Non, pas par là, parce que là, il y a un peu de terre, en fait. Ça va pas aller. La terre, enfin, c'est pas de la terre, c'est du béton rouge. Donc, avec le béton rouge, les amis, il faut vraiment pas le faire dessus. Il faut le faire, voilà, sur une petite surface avec de la terre. Et là, on va poser, en fait, un mix de couleurs. Alors, j'ai trouvé ce totem plutôt intéressant, parce que je dis, peut-être que ça va marcher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment... Attends, faut bien suivre. Hein. Donc, c'est jaune, rouge, blanc, noir, bleu. Donc, on va bien suivre l'ordre. Voilà. Et là, il faut encore... Après, le bleu, c'est jaune, rouge. Blanc, noir. Et là on fait bleu, les amis. Et là on fait
jaune, rouge, blanc, noir, bleu, jaune, rouge, blanc, noir, bleu. Voilà, du coup là voilà, c'est bon, on a mis les couleurs. Maintenant il suffit de remplir au milieu, mais avec cette fois-ci du blanc et du noir. Donc on va voir le blanc, noir, où est-ce qu'on en le met, parce que là on m'a pas trop donné d'indice. Donc c'est un genre de totem, voilà, c'est comme ça, c'est exactement comme ça qu'on m'avait simplement prévenu du totem. Du coup là faut faire un peu comme ça pour boucher le blanc, pour pas qu'il se mêle. Et là voilà, regardez le totem, ça doit donner ça. Si ça donne pas ça les amis, c'est que vous avez raté une étape. Donc en gros, il suffit de poser des têtes à l'endroit où il y a les petits trous noirs, comme vous pouvez le voir, c'est super simple. Il suffit de relier les têtes simplement entre elles par un petit fil de redstone. Et au milieu, vous avez juste à mettre des torches. Voilà, vous mettez juste des torches. Et donc là, le totem a été réalisé, on va voir s'il est bon, s'il a été validé, ou si tout simplement... Oula, il y a un mammouth les gars. Il y a un genre de gros rhinocéros. Alors ça, je sais pas du tout quel est cet animal. Je l'ai jamais vu tout simplement dans Minecraft. Pour le moment, je l'ai jamais encore croisé. N'hésitez pas à me dire son nom. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir son nom dans 2 secondes. Vous avez 2 secondes pour deviner son nom. Du coup, les amis, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un ravageur. C'est un ravageur. Voilà, les amis, c'est un ravageur. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dernier totem. Du coup, le dernier totem qui est plutôt sympathique, vu que c'est un genre de totem un peu en mode statue, un peu allongé, comme une tour en fait. Et donc, lui, il est plutôt petit. Donc, je vais vous montrer comment on le fait. En fait, ça se fait sur, qu'on s'appelle, 3 de large. Donc, en fait, c'est comme ça. Vous mettez juste ces 3 couleurs-là, ok, pour monter. Et là, vous faites un petit truc comme ça. Donc là, vous montez comme ça, ici. Et là, vous fermez avec le noir ici. Et là, vous mettez un petit coup de bleu. Voilà, donc le totem, ça se voit comme ça. À l'intérieur, vous avez plus qu'à mettre une petite tête, comme ceci. Et sur les côtés, vous mettez 2 torches. Une fois que vous avez mis les 2 torches, les gars, il vous suffit de mettre la redstone en bas, comme ça, pour prendre le signal. Et de mettre la redstone là pour la tête, ok? Là, c'est pas encore fini, il suffit juste de mettre un petit coup de briquet. Et là, les amis, ça va marcher. Du coup, tenez-vous prêts, je vais enlever tout ce qu'il y a dans mon inventaire. Parce que là, c'est le coup de briquet final. J'espère que vous êtes prêts. On va voir s'il y a quelqu'un qui va apparaître du ciel ou je sais pas. Peut-être qu'il y a un mec qui va spawn dans les airs et qui va arriver ou peut-être qu'il va rien avoir. Hein. Du coup, les gars, on va allumer le bloc nard. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Faites un petit compte à rebours. Vous mettez tous 3, 2, 1, go. Vous mettez tous 3, 2, 1, go dans les commentaires. C'est parti. 3, 2, 1, go. Ok. C'est parti, le dernier totem. J'espère qu'il y a un des 3 totems qui marche. Oula, lui, il y a plein de feux d'artifice. Ouais, les gars, je crois qu'il a marché celui-là. Bah alors je sais pas s'il faut rester devant ou s'il faut revenir dans la maison. Je sais pas ce qui va se passer là. On va voir s'il se passe quelque chose ou si je dois tout simplement revenir dans la maison. Bon je pense les gars on va aller retourner dans la maison. Ce qu'on va faire c'est qu'on va là. On va retourner dans la maison pour voir s'il se passe simplement des choses. Ou si c'est tout simplement rien passé dans la maison. Parce que ça se trouve dans la maison il a pu se passer pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me dire les gars directement dans les commentaires. Vous me dites voilà les gars dans la maison il y a ça. Dans la maison il y a ça. Je sais pas ça se trouve il peut avoir un personnage. Parce que le but je vous rappelle les gars le but de ces totems hein, je vous les remontre. C'est tout simplement d'invoquer Elo Nibor. Et le seul qui a eu plein de feux d'artifice c'est lui. En sachant que le deuxième il y a eu juste un rhinocéros. Donc je pense qu'il n'a pas été validé le deuxième. Donc pour moi c'est le troisième totem qui a été validé. Et donc pour vous, bah dites-moi pour vous les gars, quel totem a été le bon? Parce qu'en fait le premier est juste un feu d'artifice, le deuxième un rhinocéros, et le troisième il y a eu plein de feux d'artifice. Et en plus ils étaient jaunes en mode petite couleur, en mode Elo Nibor. Du coup là c'est des petits signes. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va directement revenir dans ma villa, on va passer du coup par derrière pour voir un peu ce qui se passe, s'il s'est passé quelque chose de bizarre. Du coup, wow! Ok les gars, ok. Il y a l'air d'avoir un peu de sang tout ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais... Oula! Il a dû se passer des trucs un peu... Un petit peu chaud ici, hein. Ça a dû être chaud. Wow, les gars, il y a vraiment pas mal de sang et tout. Ça fait vraiment grave flipper. Oula! What? Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Oula là 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 là. Par contre, les gars, ça commence à faire flipper. Par contre, les gars, il y a plein de pigeons en plus dans la maison. C'est un truc de ouf, comment il y a masse de pigeons. What? Pourquoi il y a plein de pigeons d'un coup? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite épée pour essayer d'aller un peu matraquer ces petits pigeons. Simplement. Donc voilà, on va un peu essayer de... Attends, on va tuer un petit peu ces pigeons. On va un peu les tuer. Hop, là, il y a encore un petit pigeon, regardez. Là, il y a un petit pigeon, hop. Est-ce qu'il y a encore des petits pigeons quelque part? En tout cas, si vous voyez quelque chose de très bizarre, voilà, du sang, des panneaux, un petit peu important à lire, n'hésitez pas à me prévenir les gars dans les commentaires. What? Vous auriez pu me prévenir les gars dans les commentaires. What? Oh les gars, j'ai eu trop peur. What? J'avais le no-neighbor les gars, j'avais Elo Nibor en mode 3h du matin. Du coup les gars, ça fait ultra flipper les gars. N'hésitez pas à me dire les gars dans les commentaires pour me dire où est-ce qu'il se cache. En tout cas les gars, par contre c'est vraiment bizarre. Il a pas l'air de trop parler ni de faire trop de bruit. Du coup c'est quand même assez flippant. Donc attendez, hop, on va tuer ce pigeon pour voir. Tac. Oh! Ouais, le no-neighbor, j'ai réussi à t'invoquer du coup.
Oula, il a pas l'air très... J'ai un cadeau pour toi. Ah, t'as un cadeau pour moi? Eh, du coup, c'est moi ton maître, Elonaibor. C'est moi qui t'ai invoqué. Je m'en fous. Oh, pourquoi tu t'en fous? Tiens, j'ai une surprise pour toi. Rentre. Oula, les gars, je sais pas si je dois le suivre. Ouh, wow, attends, il veut me tuer, Ok, je te suis. Attends. Les gars, là, j'ai mon cœur qui bat. Oh, les gars, par contre, je suis en train un peu de flipper. Les gars, est-ce que je dois lui faire confiance? Non, tu sais quoi, c'est Elonaibor. Par contre, les gars, Elonaibor, en 3h du matin, il fait vraiment super peur. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un personnage qui fait trop peur. Déjà, de base, Elonaibor, il fait peur. Mais alors là, comment il fait peur? Oui, du coup, quoi? Pourquoi? Mais je dois pas faire rien, je dois pas aller aux toilettes, t'inquiète. Ok, j'y vais. Y'a pas de soucis, j'y vais. Mets ta tête sur les chiottes. Pourquoi faire? Bah, je vais remplir les chiottes avec ta tête. Ah non, c'est pas cool ça. Oula. Viens. T'es prêt, ça va faire un peu mal, hein. Oui, il se passe quoi là? Voilà. Ah là, je suis en train de te découper la tête. Wow, il m'a mis son couteau dedans. Aïe. Vas-y, laisse-moi tranquille, Elonaibor. Je t'ai invoqué, je pensais que t'allais être sympa avec moi. Pourquoi ceux qui t'invoquent, tu leur fais quoi en fait? T'es pas comme les gentils là? Je vais te tuer. J'ai pas le droit de t'invoquer. Et ça fait des mois que tu dors. J'ai pas le droit de t'invoquer? Non, y'a personne qui m'invoque. Oh, il tire dessus, les gars. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller se cacher directement? On va aller se cacher du coup de Elonaibor. Wow, il arrive. Ok, les gars, on va lui taper une petite accélération. On va directement se cacher. What? Elonaibor, il reçoit des notifs, les amis. Tac, ok, on s'est caché simplement à l'intérieur d'un petit placard. Donc là, on est caché dans la chambre. J'espère que Elonaibor me voit pas. Les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires une petite note sur 10 de ma cachette. Et dites-moi, les gars, si vous pensez que Elonaibor va me trouver. Ça sert à rien de te cacher. En sachant que je suis vraiment au milieu du placard. Donc on va voir si. What? Oh! Ouais, les amis, mettez tous dans les commentaires. Elonaibor, il voit pas clair. Parce que franchement, on passe mytho que là, il voit vraiment pas bien. Parce qu'il ne m'a même pas vu. Il a ouvert le placard sur moi, il m'a même pas vu. En tout cas, si Elonaibor qui débarque ou quoi, on va vraiment essayer de se cacher direct. Donc, oh, il m'a vu, les amis, il arrive. Ok, directement là, on va se cacher simplement dans le. Non, on peut pas. Ah, si, c'est un placard ici. Ok. Ouais, j'ai chaud, les amis. Donc là, je suis vraiment caché. Il a ouvert le placard encore une fois. On va attendre un peu avant de sortir pour voir si. Ok. What? Qu'est-ce qu'il fait? Les gars, il est en train de fouiller mon coffre. What? Attendez. Il m'a volé la thune. Ok, il est là. Il est juste devant. Ah, doom. Oh, wesh. What? Oh les gars, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il va me trouver le petit Elonaibor 3h du matin. Moi je pense que là je suis plutôt pas mal caché. Du coup là on va essayer de. Oula! Non! T'inquiète, je vais descendre. On fait un petit cache-cache. Je me taille. Oh, faut que je me cache dans les toilettes. Il m'a pas vu. Ok, d'accord. Ok. Les amis, j'ai une idée de cachette pour la prochaine fois. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va aller se cacher derrière la télé. Et on va voir s'il va nous trouver le petit Elonaibor. Du coup, on y va directement. On va se cacher derrière la télé pour voir si... Tu vois, si le petit Elonaibor, il va nous trouver ou pas, tu vois. Là, Elonaibor, attends. On va regarder s'il est là. Ok, il est pas là. Ah, il est pas là. Donc, on va vite se cacher derrière la télé avant qu'il débarque. Parce que sinon, on... On risque, tu vois, d'être un peu à découvert, t'as capté les bails. Ça va, toi? Wow, le fou. Wow. Oh, je pense, les amis, j'ai encore une petite cachette à vous présenter. C'est la cachette, simplement, du chiotte. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était dans le chiotte, du coup, on va aller dans le chiotte. Et je crois qu'après, les amis, je sais pas si vous aimez bien les petites citrouilles. Genre, est-ce que vous voulez des vidéos avec, comment il s'appelle? Le roi citrouille, c'est un mec bizarre un peu, le roi citrouille. Du coup... Tu bouges pas. Je bouge pas. Je ne bouge pas. C'est bien cette pièce. Ouais, c'est vrai que je suis habitué à aller ici maintenant. La première fois, t'as voulu mettre ma tête dedans pour me découper. Oui, bah, et là, tu vas rester ici. What, les amis, il a mis un barreau. Tu fais quoi, le neighbor? Ah, rien, t'inquiète, c'est un petit déco. Tu vas où, là?
Je reviens, je vais boire un petit café. Tu vas boire un petit café, tu vas boire un café chez qui? Chez Lucas Louis, là, le cochon de merde, là, je reviens. Oh! Alors, je pense que les gars, elle en est bord 3h du matin, il a pas l'air d'aimer tout simplement le Lucas Louis. Je pense qu'il aime pas trop Lucas Louis, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement aller voir ce petit Elon Eibor. On va aller un peu l'espionner, les amis, parce que là, je viens de péter un peu les barreaux. Du coup, il m'a. Non, il a pris ma caisse. Ok, les gars, on va devoir y aller à pied. En tout cas, là, par contre, du coup, on n'a pas de voiture. Du coup, c'est un petit peu la galère. On va aller directement à pied. Et ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller chez Lucas Louis. On va aller chez Lucas Louis. Parce qu'en fait, les gars, en fait, tout simplement, Lucas Louis, il habite dans une maison là-bas. Ce qui est assez bizarre, c'est que Lucas Louis et Denis ont tous les deux la même maison. Mais en gros, ils se la partagent. En mode une semaine sur deux, genre c'est pas, c'est un petit, c'est un peu une maison alternée. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a plein d'autres maisons qui sont pas habitées. Enfin après, il y a eu des prisons et tout dedans à l'intérieur, de prisons, de Momo, de trucs bizarres quand même. Mais du coup, je comprends pas pourquoi ils essayent pas quand même de déménager. Surtout qu'il y a des apparts assez stylés dans la ville. Du coup, maintenant, on va aller directement. Donc là, on y arrive. Je pense que d'ici une minute, on sera arrivé. Donc là, ça vous laisse le temps, en tout cas, si vous l'avez toujours pas fait, de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, de me follow sur Insta et sur Twitter, footballseriedubas, et d'aller lancer votre petit Fortnite sur votre téléphone ou sur votre PC juste à côté, et vous lancez Fortnite et vous mettez le code FULLBOSS, voilà. Comme ça, là, vous avez un petit peu le temps de mettre tout ça. Et en tout cas, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me dire, les gars, dans les commentaires, un autre personnage à 3h du matin que je pourrais tout simplement rencontrer, invoquer et tout. Parce que là, c'est vraiment moi qui ai décidé de l'invoquer. Et on va voir un peu ce qu'il fait tout simplement, le petit. Ah, il vient d'arriver. Ok, allez, on est bon, les amis, il vient d'arriver. On va un peu l'espionner pour voir un peu ce qu'il fait, tout simplement. Et n'hésitez pas à me dire, les gars, dans les commentaires pour vous, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, il a l'air de rentrer chez Lucas Louis. En tout cas, voilà. Ok. What? Il a l'air d'avoir un genre de gros mammouth ou de. Je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, c'est un ravageur. Voilà, c'est un ravageur. Parce que je vous vois venir dans les commentaires en mode ouais, footboss, c'est un ravageur, t'oublies tout. Oui, c'est bon, j'ai capté ce que c'était. On va voir combien de coups. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 coups. What? Ouais, Nonaibor, salut. Je viens de boire un café avec toi du coup. Il est où, Lucas Louis? Il fait jour, je dois vite y aller. Pour ah, la prochaine fois, je vais te tuer. Tu dois y aller, mais tu veux pas boire un petit café avec moi, j'insiste. Genre, on va chez Lucas Louis. Mais Lucas Louis, t'aimes. Oula, les gars, vous pensez il vient de faire quoi Lucas Louis? C'est ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir si il a tout simplement été faire un peu du mal à Lucas Louis pour voir un peu bah. What? Il y a des flèches et tout. Oula! Il a l'air d'avoir du monde. Ouais, il y a une grosse teuf. What? Regardez les amis, le monde qu'il y a. What? Je pense que là il y a l'air d'avoir une grosse soirée là, il y a du gros gradure énervé là. Wow, il y a de la, il y a du gros son. Il y a même des gens à l'étage qui font des trucs, il y a peut-être des mecs dans la chambre. Non, il n'y a pas de gens dans la chambre encore. Les chambres sont libres. Est-ce qu'il y a des gens dans les. Non, dans les setups, il n'y a personne. Ça, c'est cool. Du coup, Lucas Louis, t'es là? Lucas Louis? Lucas Louis? Oula! Wow. Les amis, les gars, il y a du sang et tout là. Wesh, t'as fait quoi ici, Hello Neighbor? C'est passé quoi? Je suis ton pote, je suis de même camp que toi. De toute façon, j'aime pas Lucas Louis, t'inquiète. Ok, bah il est mort. Bah c'est bon alors, au calme. Bah du coup, c'est ta maison alors, tu veux habiter ici. Comme ça, tu pourras me rendre visite. What les amis? En fait, non, c'était une mauvaise idée ce que je viens de dire. Elonaibor, les gars, ça va devenir mon voisin. Mais Elonaibor, 3h du matin. Du coup, toi, tu viens que la journée en fait. Enfin, que la nuit, je veux dire. Que la nuit, t'es là. Là, il commence à faire jour là. Ouais, c'est un petit jour, c'est 6h du mat' bon, là. Je dois me cacher du jour, à tout de suite. Salut. Ah, il se met à l'intérieur. Ça, c'est la petite faiblesse de Elonaibor 3h, parce qu'en fait, tout simplement, il peut pas vivre la journée dehors. Il est obligé de rester enfermé dans des grottes et tout. C'est un peu comme un vampire. Sauf que lui, c'est vraiment genre. Il brûle pas, mais genre, je sais pas trop ce qui se passe, mais je pense qu'il doit signer des trucs un peu bizarres. Par contre, là, les gars, il y a vraiment beaucoup de monde. En plus, je crois qu'il y a des gens qui sont encore en train de rentrer. Faudrait mettre des agents de sécu pour bloquer les entrées, parce que là, il y a trop de monde dans cette soirée. What? C'est une dinguerie la soirée là. Bon, les gars, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va re-rentrer chez moi. Et on va aller prendre du coup la voiture qui était tout simplement la mienne de base. Parce que là, il est mort, il a complètement. Il a pété à ma voiture, pas ce mytho, il a voulu péter à ma voiture. Du coup, on va aller rechercher la petite bagnole, parce que du coup, c'est la mienne, la voiture. Tac, on va aller. Eh, t'as tenté quoi, toi? Allez, hello, Neighbor, salut! J'espère, les gars, qu'il va pas revenir chez moi, parce que. Il fait quand même assez flipper. En tout cas, s'il revient chez moi, je pense que je vais me cacher jusqu'à temps qu'il parte ou quoi.
parce qu'il fait quand même peur. Oh, vous savez quoi les amis, ce qu'on va faire, c'est que là je pense que là elle en est bord vu que c'est un mec un peu attardé. On va attendre qu'il revienne chez moi, on va se cacher. On va pas se cacher dans les toilettes, on va se cacher dans un autre endroit qu'on n'a pas encore été. On va se cacher ici. Ici c'est une très bonne cachette, je pense qu'il ne trouvera jamais dans la baignoire jacuzzi là. Ok, on est dans le côté du jacuzzi, on va voir s'il arrive. Et si vous pensez qu'il va me trouver, n'hésitez pas à me prévenir. Oh, il est là, il est là. Ok, est-ce qu'il va me voir? Et en gros, ce qu'on va faire les gars, c'est que dès qu'il part, on va péter son totem. Comme ça on va pouvoir le désinvoquer et être tranquille. What, Sam, il est dans la baignoire. Il est dans la baignoire les gars. Ok, donc il a l'air d'être dans la baignoire. On va attendre qu'il sorte là, je sais pas, il est en train de se laver les gars. Et là, les bords, il va sentir bon, je pense. On va lui donner quelques frites. On va lui donner quelques frites, les amis, regardez. On est en train de lui donner quelques frites. On va voir s'il aime bien les frites. Je sais pas ce qu'il fait dans les bords, il est en train de dormir sa piscine. What? Qu'est-ce qu'il fait, le neighbor? Alors. Et le neighbor, 3h du matin, il vient de faire caca, les gars. Je pense que. What, en fait, il avait caca dans ma piscine. Enfin, dans mon jacuzzi. Ok, les gars. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va essayer de se tailler discretos. Donc, par là. Hop. Et là, les amis, on va aller directement péter les totems. On va péter les 3 totems. Parce que je sais pas exactement quel totem a marché et quel totem n'a pas marché. Du coup, c'est parti, les gars, pour péter les totems. Alors, hop, 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 on va péter le totem. Comme ça, on va voir ce qui se passe un petit peu. Oula, il a pas l'air content. Hein. On va péter le totem. Il en reste plus qu'un, les amis. Donc, je sais pas, je pense que les 3 totems doivent avoir de l'effet sur lui. Vu que là, je l'entends. Eh ouais, le neighbor, coucou. Je vais péter ton 3e totem. Tac. Les amis, on a pété tous ces totems. Alors là, je sais pas où il est. Je pense qu'il est en position fœtus dans... Il s'est fait... Est-ce qu'il est, les gars? What? Est-ce qu'il est? C'est des gens qui savent où est le neighbor est parti. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. What? Où est-ce qu'il est parti, le petit le neighbor? What? Oh, what? Oh, salut, ça va? T'as pas l'air en forme? Tu veux que je te donne un petit truc à boire là? T'as pas l'air très très chaud là? Waouh, il s'est plus tiré! Waouh, 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 ok, ok. On va quand même fermer parce que du coup, les amis, Hello Neighbor, je viens de l'enfermer. Du coup, les gars, mettez un maximum de likes pour d'autres vidéos avec Hello Neighbor. Bon, oui, c'est vrai, c'est encore la nuit là, c'est encore la nuit en fait. Du coup, il peut encore être là. Mais du coup, au moins, dès qu'il va despawn, la prochaine nuit, il pourra plus revenir menter tout simplement vu que là, je l'ai fait despawn. En tout cas, les amis, si vous voulez d'autres vidéos avec Hello Neighbor, n'hésitez pas à me prévenir. En tout cas, j'en ai fait pas mal en ce moment. Voilà. Si vous voulez aussi d'autres vidéos avec d'autres personnages, n'hésitez pas à me prévenir, voilà, vraiment, c'est très important. Vous me dites tous le nom du prochain personnage que vous voulez voir sur la chaîne, les gars. Comme ça, bah, moi, je peux écouter un peu vos petites idées, parce que souvent, il y a des abonnés qui ont des très très bonnes idées. Et c'est toujours cool d'avoir un avis extérieur, tu vois, sur les vidéos. Du coup, voilà, on va un peu débarrasser tout ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, parce qu'il y a pas mal de sang, il s'est passé pas mal de choses, du coup, dans la maison, avec le petit Lone Eyeball. Donc, voilà, c'était Full Boss, les amis. Je compte sur vous, maximum de likes. N'oubliez pas pour le concours, donc le code créateur Fanet Full Boss. Et Instagram, Full Boss du bas, les gars, parce qu'il y a bientôt des nouvelles photos et tout. Du coup, c'est très important. Go, allez follow en masse, les gars, très important. C'était Full Boss, les amis, et Hello Neighbor. Ciao!